Alors nous sommes de retour dans NBA 2K, notre nouveau match qui vient tout juste de commencer et qui est contre Philadelphie, donc les 76ers. Évidemment je suis pas encore sur le parquet, donc on va me faire rentrer, voilà. A priori à la fin du premier quart-temps je pense. Ouais, 17 secondes à mon avis je vais pas rentrer. C'est peu probable. Oh, c'était quoi ce tir mec? Ouais, il est peu probable que je rentre, donc ce sera pas le second carton. Oh, c'est rentré? Ah non, j'ai pas l'impression. Ouais. Au moins on mène, hein. Bon après, c'est les 76ers, c'est pas non plus la meilleure équipe de la ligue, je pense, mais bon. On va s'en contenter, c'est toujours mieux que rien. Alors c'est contre qui notre prochain... Ah c'est contre LeBron James notre prochain match, ça va être drôle. Il se fait rouler dessus. Je vais me faire rouler dessus en plus parce que leur meneur il est extrêmement bon. Être fun. Ils sont à 39-9, on est à 11-34. Tu vois que c'est exactement le même calibre l'équipe. Clairement. Alors Michael Carter Williams qui est pas mauvais. Qui sera mon opposant sur le terrain. C'est un rookie de l'an dernier, je crois, lui. Ou de l'année d'avant, je sais plus. Mais il est pas mauvais, c'est le truc à retenir. Je suis à quelle position, là ouais, je crois que je suis en shooting guard, ce qui m'arrange très peu. Alors ça, c'était gratos, Pekovic, t'aurais dû le mettre. Ouais, je suis bien à la position de shooting guard, ça m'arrange pas. Oh, qu'est-ce que c'est mal défendu, ça. Mon dieu. Ouais, bon. J'ai un peu pourriné dedans, certes. On va peut-être essayer d'arrêter de faire de la merde, là. Forcément la meilleure idée. Ok, Carter Williams, il est vénère, visiblement. Bon, c'était pas à moi de le garder là-dessus, donc je ne me sens pas responsable. Ouais. Ouais, bon, les mecs, je peux pas prendre des rebonds face à des types qui font 3m40. Hein. Faudra peut-être vous bouger, SF. Wow, t'as un brownie sur la tête, mec. Je sais pas si quelqu'un t'a mis au courant. Bon, je vais t'en faire 42 des écrans avant que tu fasses quelque chose de ta vie, toi. Sérieusement. Ah, faut que j'arrête de faire ça. Bon, il m'a dit que j'avais fait une bonne défense. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est pas grave. Je vais pas m'enflammer si on me fait des compliments que je mérite pas. Ouais. Ah, je suis en morceaux. En plus, il a genre 200 ans, Mo Williams, il devrait peut-être éviter d'aller faire du kung-fu avec des types qui ont des pâtisseries sur la tête. Il est bien modélisé, Williams, il ressemble vraiment. Ouais, ça, ça devrait pas être un problème pour lui. Ouais, il faut rentrer Martin. Kevin Martin. Tu veux lui passer la balle, mec, je le sens, je le sens. Here's Roten, 9 points last game. Solid shot from the distance of about 14 feet. Pas mal le tir. Un peu curieux son jump shot, mais ça rentre. Okay. Pas de raison de se plaindre. Ok, donc Mo Williams, il a décidé de jouer vachement solo, évidemment.
Il pense que c'est lui le héros du jeu vidéo. Oh, ça c'était magnifique. C'était magnifique, Mr. Brownie. Ah, on est en train de se faire grignoter gentiment au score, là j'avais pas fait gaffe. On menait pourtant au premier quart-temps, il semblait. Ouais, bon, c'était un peu osé la passe là. Pas osé, je veux dire stupide. Ouais, donc ça par contre c'est vraiment très mal défendu mec. Oh, bah voilà ce qui arrive lorsque t'affrontes des mecs qui font trois fois ta taille. Oh, c'était beau ça. Ah oui, merci Martin. C'est le mec qui sait jouer dans notre équipe. Ah, c'était intercepté ça. Ça non par contre. Je fais vraiment n'importe quoi. Thompson, left side. Feeds it to Roten. Il s'appelle Roten, lui. Six to shoot. 17-foot shot on the way. Beaucoup de rebonds offensifs là. Je sais pas si c'est le jeu qui est mal équilibré ou si c'est nos défenseurs qui sont vraiment nuls à chier. Mais j'ai l'impression qu'on en ramasse pas un seul. Williams passes to Doc. Celle-là, tu vas peut-être la mettre, hein? Ouais, passe intelligente, je sais pas, les mecs, c'est un peu la quatrième que je fais et qu'il y en a qu'une qui est passée. Je sais pas si c'est vraiment l'adjectif que j'utiliserais pour qualifier mes passes ce soir. J'aime pas l'espèce d'inertie que j'ai, là. Faut vraiment que j'augmente ma putain de vitesse. C'est très agaçant. Ah, c'est Vroten qui s'appelle. Fallait pas me marcher dessus, mec, t'as fait une faute. Certes. Ok, 45-46, c'est pas la fin du monde. Alors, voyons voir la stratégie pour la seconde mi-temps. Now here's a few things I took away from the first half. I like the way we're driving the lane, drawing contact and getting calls. We're going to cause some foul trouble in the second half if we keep playing aggressively like that. But we've shot the ball well, I'll give us that. And it's because we've had great shot selection. We've made really good choices with the ball. And in the third and fourth quarters, guys, don't let our commitment to rebounding slow down our transition game. Let's still be quick to get out on the break. This is a very tough opponent, and we've got a difficult half in front of us. But I've got ouais. All the faith in the world in you guys. I know you can get this done. Okay. Welcome back, everybody. The start of the second half getting underway. Both teams battling hard through the first half. Est-ce que je vais jouer le troisième quart-temps dans le quatrième? Ah bah ok, il m'a vraiment remis qu'à la toute fin. En même temps, j'ai beaucoup joué sur le second carton, donc. J'ai vraiment une inertie absolument insupportable sur mon joueur qui est un peu chelou. Vraiment que j'augmente sa vitesse, j'avais toujours l'impression qu'il réagit 3 secondes après. J'appuie sur le bouton, ce qui est évidemment pas une bonne chose. Ouais, j'ai envie de dire que c'était un joli tir. C'est pour ça que je lui ai passé la balle en même temps. Je crois que c'est le premier match que je joue qui finit sur une victoire. Bon, j'ai pas super bien joué. J'ai vraiment fait trop de turnover.
trop forcer mes passes à l'intérieur, surtout dans des moments où les positions étaient vraiment pas intéressantes. Donc assez mal joué. Là, j'ai pas pris d'assist hein, sur le dernier tir, curieux. Pourtant il a pas dribblé je crois avant de tirer. Quoique peut-être, j'ai pas fait gaffe. Quoi qu'il arrive, on a gagné, c'est le principal. Bon, il va encore se foutre de ma gueule. We just pulled out a nice little win. Tripping. Don't act like this game was never in doubt. It was a lot closer than it should have been. That's the problem. We weren't taking it serious enough. Like we could just show up and win. One thing I know for certain, you take something for granted in the NBA and it all goes away. You right. When we got somebody on the ropes, we gotta knock them fools out, man. Yo, tonight, we was just barely good enough. That's right. Next game, we step on the gas and never let up. Let's do it. Mm-hmm. Toujours pas très convaincu de l'utilité de ce truc-là, honnêtement. Il y en a peut-être une, hein, sur le long terme, je sais pas, mais... Pour l'instant, je saisis pas vraiment à quoi ça sert. Hein. Surtout que ça a l'air assez buggé, je sais pas, la synchronisation labiale est pas idéale. Donc, je suis pas hyper convaincu. Alors, j'ai gagné 195 $. On va aller les investir immédiatement. Donc, j'y pense. Ah, il y a visiblement un système de badge également, ok. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec 196 $? Pas grand-chose. Hein. Marquer, je m'en fous. Jump shot, ça pourrait m'intéresser éventuellement. C'est pas comme si je tirais souvent, mais bon. C'est toujours ça. J'aime pas ce que c'est, tous ces trucs. Faudrait que je regarde un de ces jours. Ok. Bon, bah ça nous fait un épisode de fait. Et première victoire pour mon équipe. Et on verra ce que ça donne au prochain match contre les Cavaliers, qui vont être assez violents, a priori. Ciao tout le monde.